n'a pas les mots pour vous dire ce qu'il ressent au fond de lui, au fond de lui. Quels sont les rêves ou les désirs qui font l'objet de ses envies, de ses envies. Il n'a pas les mots mais il voit ce qui se passe autour de lui, autour de lui. Il a pris de ses dix doigts, dessiné toute sa vie, toute sa vie. Il essaie de parler aux gens, mais un mur se dresse devant. Comme un obstacle incontournable, une montagne infranchissable. Il vous parle avec ses mots griffonnés sur du papier, avec ses mains à défaut de papier. Ce langage vous repousse, ça vous donne plutôt la pousse. Avez-vous si par des mots de papier? Pas les mots pour demander ce qu'il voudrait, c'est d'être aimé, pouvoir aimer. Jamais vous ne réussirez à le comprendre, les yeux fermés, les yeux fermés. Essayez donc pour une journée de vous parler avec les mains. Cherchez dans cette société ce qu'elle vous donnera comme soutien. Il vous parle avec des mots griffonnés sur du papier, avec ses mains à défaut de papier. Ce langage vous repousse, ça vous donne plutôt la frousse. Avez-vous si par des mots de papier? Il vous parle avec ses mots griffonnés sur du papier, avec ses mains à défaut de papier. Ce langage vous repousse, ça vous donne plutôt la frousse. Avez-vous si par des mots de papier?